Bonjour les amis, il s'est passé en fin de semaine dernière à Montpellier un drame épouvantable pour la France. Alors je vous parle pas de cette vieille dame de 72 ans, enfin vieille dame, elle a que 2 ans de plus que moi, après tout pourquoi je la traite de vieille moi, mais bon, de cette femme âgée de 72 ans qu'on a retrouvé égorgé, alors on dit poignardé à la gorge, hein, bon on dit pas égorgé, hein, mais qu'on a retrouvé égorgé sur son parking et on a arrêté quelques jours après un jeune de 20 ans qui parlait pas français, qui avait plusieurs identités différentes et tout. Vous voyez, ça va encore attiser la haine, mais je vous parlais pas de ça parce que bon, ça tout le monde s'en fout, ça fait 3 lignes dans la presse, ça arrive tous les jours, bon il y a des vieux qui se font égorger, il y a des vieilles qui se font violer, c'est la France d'aujourd'hui, il faut attendre que les nouveaux venus aient les codes, donc ça fait trois lignes dans la presse et on n'en parle pas, non non, ce qui est beaucoup plus important, et là ça fait la une de la presse, c'est que le pilier de l'équipe de France de rugby, le franco-algérien Mohamed Awas, ah oui parce que bon, il est franco-algérien, mais bon le mec s'il veut être international, il va pas jouer pour l'équipe de rugby d'Algérie. Hein, donc le mec il joue pour l'équipe de France, donc il est pilier le gars et donc il s'est retrouvé avec les bracelets en prison, bon pour un prétexte, le mec il a cogné sa femme dans une galerie marchande à Montpellier, bon il y avait plein de témoins, puis il y avait les caméras de surveillance et tout, bon et il a bolossé sa femme quoi, bon je sais pas, faut voir ce qui s'est passé, hein, peut-être qu'il y a manqué de respect, enfin on sait pas, hein. Et le mec il se retrouve en taule quand même, alors bon il était jugé ce mardi. Alors bon, le mec, il a été jugé. Alors bon, Momo, c'est un bon pilier. Hein. Il était quand même 1m85, 127 kilos. Bon, il a déjà été condamné quand il avait 20 ans. Il avait cambriolé un bureau de tabac. Bon, bah, il avait besoin de cigarettes, il n'y avait pas de cigarettes chez lui, il pouvait pas attendre. Bon, c'est pas bien méchant. Bon, il a pris de la tôle avec sursis, je crois, pour un truc comme ça, mais le rugby, ça l'a apaisé, il a retrouvé des règles en rugby, et maintenant, il est international. Alors, déjà, 2 expulsions, hein. Il a mis une patate à un Écossais, bon, c'est le rugby, puis un coup de boule aussi, bon. C'est rare, hein, au niveau international, mais bon, le mec, il tient bien, il a fait partie de la grande équipe de France, et puis on comptait sur lui pour le prochain tournoi, donc il était jugé, et il avait l'inquiétude, punaise, pourvu qu'il aille pas au Newf, s'il va au Newf, on perd un pilier droit, quand même, et ça affaiblit l'équipe de France. Sa femme, elle était parfaite, hein, d'abord, elle a pas déposé plainte, Imane, belle nana, hein, par ailleurs, elle a pas déposé plainte, elle a souhaité que son mari, il aille pas en prison, elle l'a défendu bec et ongle et tout, bon, elle a dit que c'était un problème interne et tout, bon, le mec, il prend qu'un mois de prison, il prend un an de prison avec sursis, donc normalement, il n'y a pas de problème, normalement, il doit pouvoir jouer la Coupe du Monde, on est sauvé, parce qu'on fait tout pour la Coupe du Monde, hein. On vire aussi tous les clans d'eau de Paris, ça prépare les Jeux Olympiques, hein. Et puis on les envoie en province, vous voyez, il faut que ça se passe bien, donc Momo, normalement, il pouvait jouer la Coupe du Monde, et qu'est-ce qui se passe? Ces connards de la Fédération de Rugby, je sais pas de quoi ils se mêlent cela, ils décident qu'il est viré de l'équipe de France et qu'on peut plus le sélectionner. Enfin, quel rapport, le mec, on le vire s'il a fait un truc en rugby qui est pas compatible avec une sélection, mais on le vire pas pour sa vie privée. Enfin, moi, là, je suis pas d'accord du tout. Hein. Bon, s'ils avaient dit, à sa deuxième expulsion, quand il a mis le coup de boule au demi-mêlée de écossais, bon, il peut plus jouer et tout, j'aurais compris, mais là, on vire pas un mec de l'équipe de France de rugby parce qu'il met une torgnole à sa femme dans une galerie marchande. Enfin, c'est quoi ces conneries? C'est exactement à Angers au football, les mêmes conneries. Vous avez un défenseur angevin, le mec, 24 ans, il sort d'une boîte, paraît-il. Alors déjà, normalement, quand on est footballeur professionnel, on sort pas trop en boîte, mais c'est fini, ça, l'époque où Giroud courait après les mecs, maintenant les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Bon, donc le mec, à la sortie d'une boîte, bon, il est accusé d'attouchement sexuel, on appelle ça agression sexuelle et tout. Bon, le mec, il est jugé, il est condamné, il prend
4 mois de prison avec sursis. Bon, ça y est, la justice est passée. Bon, alors, l'entraîneur de football à Meuse également, à Angers, qui est dernier, hein, l'entraîneur de football, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il défend son joueur, il dit que c'est pas grave tout ça, que tout le monde a ploté une nana et que ça doit pas aller plus loin. Je sais pas, c'est dans un vestiaire de mec. Il y a un connard qui balance, résultat, l'entraîneur Meuse est viré. Alors que le président Meuse, toujours du club d'Angers, le mec, il a 6 agressions sexuelles sur les endos, il est passé au procès, puis en plus, détournement de fonds et tout, bon, l'Algérien classique, quoi, voilà, vous voyez. Donc, Angers vient de décider, le gars s'appelle Iliès, Angers vient de décider de le licencier aussi. Je vois pas, le mec, on le licencie s'il se comporte mal en tant que footballeur, je vois pas pourquoi, là, c'est sa vie privée, je vois pas pourquoi il serait licencié. Et je vous rappelle, moi qui suis considéré comme un mec d'ultra-droite, moi qui suis considéré comme un affreux raciste parce que je critique l'islam, je rappelle quand même que la double peine a été abolie par Nicolas Sarkozy, qui avait été élu juste pour faire un peu le contraire. Mais il avait rencontré Carla, qui l'avait convaincu des valeurs humanistes de la France. Et donc la gauche et les associations, elles expliquaient que quand un mec avait fait une faute, et qu'il y avait les fachos qui voulaient l'expulser s'il était étranger, il disait que c'était la double peine, et qu'il avait fait une faute, il était puni par la société française, il payait sa dette, et on n'avait pas le droit de l'expulser. Bah, on n'est pas dans la même situation, là, on n'est pas dans une double peine. Donc moi, c'est très clair, je vous dis, moi, l'ultra-droite, le facho, le raciste et tout, je monte un comité de soutien pour réintégrer Iliès à Angers et surtout Momo Mohamed dans l'équipe de France de rugby. On a besoin de lui et je m'engage, je monte un comité de soutien puisque ces tocards et ces incapables d'associations de gauche ne sont pas capables de faire leur boulot. Bonne journée les amis.